Voilà, deuxième bloc, on est au troisième jour. Donc là, Alex, il termine de monter le premier bloc, que si vous avez pas eu, vous avez juste à cliquer sur sa tête. Cliquer Juste sur sa là. tête. On s'est levé très tôt pour pouvoir publier tout ça et après vous faire profiter du reste des activités. Voilà, et là, en gros, on vous avoue qu'on galère un peu avec Internet. Je vais vous montrer par exemple où est-ce que Jacques, il se met, voilà, pour pouvoir avoir Internet. Il n'y a pas Internet de partout. Donc on est obligé d'exporter les vidéos à l'extérieur. Ça, Jacques? Il est mouillé, gros. Ah bon? Ouais. Ah, c'était les conseils de Pascal le grand frère. Ouais, il va vite. Attention, le sol, il est mouillé, il a gros. vraiment le prénom. Donc vous avez compris, on part direction la salle d'abord et après les plages pour tourner Mais un non. freestyle d'Alex Yeah. et une vidéo pour Body Time. Vas-y, Alex, c'est chaud, là. Donc en gros, il a plu pendant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait très beau. En 3 secondes, c'est La la tempête. tempête. Et il refait très beau. Donc là, voilà. Mais le sol, il est mouillé. Pascal, il a dit. Ouais, ça fait 4 fois qu'il nous l'a dit, hein. Je pense qu'on a compris. Non, j'ai grave peur là. Et on est dans une voiture où si tu mets le clignotant, ça coupe les feux. Si tu freines, ça klaxonne. Oh les gars, vous allez faire passer mon île pourquoi Ouais, là? C'est pas vrai ça, ouais, c'est les pas voitures vrai. martiniquaises, elles ont ramassé. Oh, les feux, c'est rage. Est-ce que tu veux que je prenne en marche arrière, gros? Tu me dis si ça t'arrange. Hein. Raconte parce que bon, on voit pas très bien, t'es un peu sombre, mais ouais, il avait une théorie qui laisse pousser sa barbe pour combler les trous. Vas-y, raconte. Il m'a expliqué là, comme j'ai un trou, ouais, trou là, faut qu'il rase là, ouais, pour que là ça puisse pousser, pour que ça puisse couvrir, d'accord. Et genre, tu rabats après par-dessus et tu rabats par-dessus, mais c'est ça en fait. Et après, ça va être soigné, mais on verra dans 6 mois. Par contre, ah, puis 6 mois de barbe, il me dit normalement il faut laisser pousser pendant 2 mois la barbe. Je le regarde comme ça, mes yeux coulent un peu. Je dis, mais ça fait 2 mois. Il fait un. Ah, t'as une barbe d'enfant. En parlant de barbe, donc je voulais revenir sur un truc. Tu peux laisser pousser pour combler ce trou là. Ce trou, parce qu'il y en a qu'un, moi. Ouais. Juste, je voulais revenir sur un truc concernant la barbe. J'ai lu un truc dans ce le matin. noir. J'ai lu un truc ce matin qui m'a fait mal. Très mal au cœur. C'est sur quoi? Mille et une beautés 2. C'était un tweet d'une meuf qui disait: les gars qui ont pas de barbe, ils kiffent laisser leur moustache de mexicain pour se donner un côté viril. Mort de rire alors que c'est trop chelou. Colasse. Oh là là, ça envoie sur du ming. Ils sont pas un peu en retard sur ma partie des avec, ça. Avec le loco. Petit loco de Marseille, Marseille en flamme. Allez l'OM. La glace. Attends, on va lui montrer qu'on a du son, nous. Ça grésille pas en plus. Ça sent bien. Avant la plage, training avec Pascal, on attaque par les pecs. Incliné. Jambes. Jacques. Jambes. Les jambes. Yacopo, il y a un rangement. J'appelle ça du rangement. Il fait la chambre. Et il y a Peko, attendez. Il vous a pas montré la nouvelle Peko. C'est Alex qui nous l'appelle. Ouais, c'est l'heure d'aller manger. Si. On a faim. À l'entraînement terminé. Ah, Pascal, il s'enjaille. En fait, faut Alex pas trop qu'il y ait de montée, sinon on n'avance pas. Allez, putain. Sors le pied, s'il te plaît, gros, et pousse un peu comme une patinette. Allez, putain. Oh putain, on finira. Attendez, je fais le noce. On va finir à 5 km/h. Appuie sur le bouton. Oh bordel. Oh, c'est chaud. Je suis collé au siège. Ah là, on descend, on se régale. Oh là 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 là. Là, d'accord. On est à 90. Il faisait le beau tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais. Mais moi le malade à la descente, hein. Faut avouer qu'on a poussé quand même en haut de la montée. Ouais, par contre le virage, ouais, tu sais comment ça se passe le virage. T'as faim, Pascal? Ouais, super faim en fait là. Il y en a un, il est énervé, c'est Jacopo. Il est attention, énervé, il a faim. Attention. Oh, c'est ça, cette ambiance! Ah, et Pascal est prêt à mourir. Oh bordel! Et il nous a mis son petit CD de chez lui. Vas-y, fais la danse, fais le zouk, fais le zouk. Allez, fais-moi, fais le zouk. Oh putain, on monte à l'Everest. Indiana Jones, on est dans la jungle. Paolo. Oh, même la première, j'avoue, ça fait flipper. Moi, je vous avouerai, je connais pas. La première, elle saute, frère. Ouais. Ah non, là, c'est chaud, là. Bordel. Pascal, il panique. Oh, Pascal, c'est... Oh, c'est Colin McRae. Oh, baby. Milan,
sur l'accent de Jacopo. Vas-y. L'accent s'est perfectionné entre temps. On dirait Pollux. Bien joué. C'est qui Pollux là? Pollux dans le chien qui parle anglais. Ben, donc voilà, on est arrivé dans la jungle. On a rejoint les filles, Arlena et Nina. Ça va les filles? Ça va. Qui sont de Martinique. Elles ont fait semblant qu'ils nous en aient un endroit où il fait beau. Mais la preuve que non. Et alors? Il y a des serpents dans la jungle, non? Ouais, des petits, hein. Et bon, papa? Perdu en forêt amazonienne. Ouh. Ouh. C'est fou. Ouais, la planète des singes. Et voilà, on est arrivé, sable noir. Donc c'est assez vrai. Et les vagues sa mère. Ciel noir. J'avoue, pour l'instant il fait pas beau. Et comme il fait super beau, merci. Vraiment au top les filles. De rien. On va tourner le clip d'Alex qui sort, qui est sorti hier, c'est ça? Bon, bilan de cet après-midi. Il a plu. Il a plu aussi. On était dans la forêt. Et c'est humide. Voilà, c'est. Il a plu. Les filles qui voulaient nous emmener là, mais bon, c'était de la merde, on va pas se mentir. Non, c'était super stylé comme quoi, mais voilà, et encore il pleut. Il y avait du sable noir, hein. Voilà, il y a du sable noir. Je sais plus. Et la forêt. Alors moi, on m'a annoncé du sable noir en me disant oui, Antillais, il ne connaît pas et autres. Mais c'était de la terre. C'était de la terre, non. C'est un peu du sable noir. On a tourné des plans pour le freestyle quand même. Ouais, ah, ouais, ouais. On a quand même eu plusieurs plans. Ouais, voilà. Oui, jungle, oui. C'était mon rêve de me prendre pour Tarzan. Vous avez des grosses têtes, j'ai oublié de tenir la perche comme ça. Oh, quelle perche. Blackman. Black ouais, man. Ouais. Jean Blacker, humoriste. Et là, on repart. Et je repasse la première. Ah, en première. Et ce qu'il faut dire. Bon, sur quoi ils sont, on a plus de mandat dessus. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas sûr d'arriver jusqu'en haut. Car on n'a plus d'essence. Non. Allez, barrez-vous s'il vous plaît, vous. Putain. On parlait, alors vas-y, redis, qu'est-ce qui t'énerve, Jacopo? Ça m'énerve si je parle en français, bah, j'ai un accent, on le sait. Mais les gens, ils font. Quoi? Quoi? Je comprends pas. Je comprends, nique ta. Et sur Instagram, c'est quoi qui te dérange? Les gens qui me corrigent sur Instagram, tu vas sur son profil, il y a que des fautes en français. Il va corriger moi. Alors écris en italien et après tu corriges. Calme-toi. C'est bon. Voilà, après 3 heures dans la savane, dans la jungle, on est enfin rentré et on va manger un bon repas que René prépare dans nos fourneaux. Et bien sûr, avant, tradition oblige. Alors un petit punch. On appelle ça un feu ici. Ouais. C'est vrai? Ouais. Réponds au feu, garçon. Réponds au feu. Ok, je mettrai les sous-titres. Et moi, on m'a dit si. C'est de la BO ça. Si les flics ils te chopent en train de boire de l'eau et pas du punch, tu prends 6 mois ferme. Effectivement. Tu mets le miel d'abord. Ok. Hop, mets le miel. Voilà. Hop, un petit coup encore. Parce que pour des fragiles comme vous, voilà, faut pas. Tu vois. Ensuite. Est-ce que vous trouvez pas qu'il ressemble au mec dans Ma Famille D'Abord? Michael de Ma Famille D'Abord. Michael Caine. Ensuite le rhum. Ouais, le rhum. Ouais, par contre, c'est chaud. Et là, c'est toute une histoire. Par contre, ça, c'est là où tu vois l'expérience d'un homme. C'est la dextérité à faire tourner le rhum à une certaine vitesse sans le faire tomber. Ok. Bien sûr, ne buvez pas trop, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, non, ça va. Etc. Tout ça, machin. Moins de 12 ans, moins de 16 ans, bas à gauche. Voilà, c'est bon. Et donc le plat est prêt, donc René, vous avez préparé quoi? Lentilles. Lentilles. Patates douces. Patates douces, ouais. Et poisson frit, dorade. Et de la dorade frite. Mais frit sans huile. Non. Oui, à l'eau. Frit à l'eau. Ça se voit que c'est frit sans huile parce que ça ne brille pas du tout. Ah non, sans huile. On peut pas frire sans huile. Allez, bon app. Et après le bon repas, ça reprend le montage. Donc Alex, qui est sur son clip, si vous l'avez pas vu, il est sorti hier, vous avez juste à cliquer sur l'écran de l'ordi. Si, si. Étape terminée, donc ça se prépare et ça va sortir. T'es prêt Jacques? Yes. Beau gosse et tout, il fait la colorimétrie et on s'arrache. Très peu savent qui je suis, beaucoup me connaissent. Et avant de sortir, on se régale, on regarde des anciennes vidéos. Genre on a regardé le ski et là c'est le water jump. Pascal il avait pas tout vu. Ça c'est une de nos préférées, le water jump. Ouais, oui, franchement oui. C'est le meilleur. Régale-toi Pascal, tu vas voir le salto en vélo. Et si vous l'avez pas vu, cliquez Jacopo. Sur le téléphone. Ah oui. Oh, Jacopo Superman.
Ça c'est intéressant là. Et comme si ça suffisait pas, même la nuit il pleut ici. Oh bien la Martinique, merci frère. Jamais la nuit en France en fait. Ouais, jamais vu ça. Jamais en métropole. Et alors Pascal, on accueille la noix de coco. Bah ouais, c'est un. Noix de coco, pays, fait comme on peut. C'est la tradition. Ouais, c'est la tradition. Ouais, c'est la tradition. C'est plus qu'une tradition, c'est un art. C'est un art. T'es monté à l'arbre et tout. Je suis monté à l'arbre, comme les vrais, sans échelle, tu vois. Après, j'ai pris la grappe de coco. Et en plus, ça, je l'ai coupé avec les mains. Ouais, bien sûr. À la chinoise. La base. Voilà, la base. Faut casser la coco. Casser la coco. Oh putain, c'est un mec des îles. Pour assumer ce que j'ai promis, on se coronesse. Je les monte en l'air, eux et leurs promesses. Je prends les.